La maison du parc de Valouise, c'est la maison historique du parc national des Écrins. Elle a été inaugurée en 1977 et elle a été requalifiée dans les années 2012-2013 avec deux objectifs. Faire des économies d'énergie, donc requalifier complètement le bâtiment au niveau isolation et mode de chauffage. Et proposer une maison ouverte à tous avec une nouvelle scénographie. Ce projet, on l'a conduit grâce à des partenariats avec la région, le département, l'ADEME et la GMF. Nous travaillons en partenariat avec le parc des Écrins parce que nous sommes des non-voyants et le parc des Écrins a tendance à vouloir recevoir plus de monde, notamment nous, les personnes déficientes visuelles dont je fais partie, et pour nous rendre les visites plus accessibles. Et suite à cela, ils ont effectué beaucoup d'aménagements pour nous. Je travaille donc à la Maison du Parc depuis sa création. Ce qui est très important, c'est l'accueil de toutes les personnes à handicap. Qui viennent à Valouise depuis longtemps, mais qui n'avaient pas cette accessibilité qu'on a depuis 2014. Donc on a un partenariat avec des personnes de Briançon, des centres de rééducation, qui sont très contentes d'avoir la Maison du Parc. Conduire un projet qui soit adapté aux différents handicaps, de fait, nous amène à avoir une maison qui est totalement adaptée aux enfants également, donc ça répondait pleinement à nos objectifs. Cette maison, c'est un lieu de partage, d'information et d'animation. C'est une maison qui est du coup accessible à tous. Le parc des Écrins nous a permis quand même de découvrir pas mal de choses par rapport à tout ce qu'ils ont exposé pour nous. Et quand on va dans la forêt, on se promène et tout ça, on a une idée déjà précise des choses qu'on a au préalable touchées. Sauf que dans la forêt, c'est les sons des oiseaux, des animaux qui passent, qu'on croise. Et c'est une ouverture incroyable. C'est aussi bien pour les personnes donc à accessibilité réduite que pour les enfants, puisque je reçois énormément d'enfants. Je dois en recevoir environ 2000 par an, donc je suis très contente de travailler dans cette maison qui a été très bien aménagée puisque j'ai connu l'ancienne. Et celle-ci est vraiment, vraiment formidable pour toutes ces personnes qui nous le rendent bien et qui nous remercient chaque fois qu'elles viennent ici.